Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, Sikulir Fouat, Sarah, Bat, Betty, Rivka, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Mesechet Menachot, Perikyud, Mishnah Bet. Mitzvah Taomer, Lavo, Minakarov, Lobiker, Minakarov, Lirushalaim, Mevin, Oto, Mikol Makom. Maase, Sheba, Migagot, Tzrifin. Mishnah très courte, on continue avec la mitzvah du Omer, c'est-à-dire le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah. Il y avait une mitzvah d'aller cueillir de l'orge. On avait appris dans la mitzvah précédente la quantité, 3 séines pour pouvoir en faire un issaron, ça fait l'équivalent en fait de pour une séa et un dixième de séa, pour récupérer de la farine toute fraîche et en faire le lendemain matin une oblation, une mincha, une mincha tseorim, et on apprend ensuite les conséquences, qui, les certaines permissions qui découleront, on apprendra tous ensuite, les antichèmes. Pour le moment, la Mishnah m'enseigne, mitzvah ta omer lavo minakarov, la mitzvah du Omer, il faut la faire de l'endroit le plus proche de Yerushalayim. Pour quelle raison? Alors la Gemara rapporte deux raisons, le Barthénor en rapporte une seule. Tout d'abord, c'est parce qu'il y a une grande règle qu'il faut savoir. En ma'avirin à la mitzvot. On ne passe pas outre à une mitzvah. Si je dois accomplir deux mitzvot, alors la première qui va se présenter à moi, je devrais l'accomplir et seulement après la deuxième. On a déjà évoqué cette règle, on avait appris par exemple, on avait évoqué l'exemple du tout le principe du plateau du Seder de Pessah par exemple. La manière dont il est disposé, c'est à cause de cette règle justement. Comme ça, de manière à ce que les premières mitzvot que tu vas faire, elles sont déjà devant toi, et les mitzvot ensuite plus loin, et les mitzvot ensuite encore plus loin. Le même principe pour vous donner dans la Hanachon, vous savez tous très bien qu'on met en général le talit avant les tfilin, parce que le talit on le met tous les jours de la semaine, alors que les tfilin on le met que 6 jours par semaine. Donc tadir ven, tadir kodem. Et bien il y a dans la Hanachon, dans le Mishnah Berurah par exemple, qui nous rapporte quelqu'un il est dans une pièce, l'heure de la tfila est arrivée, il a dans cette pièce les tfilin, dans la même pièce là où il se trouve. Et ensuite, il doit partir dans la chambre pour aller chercher son talit. Et bien, la règle de En ma'avirin al mitzvot va nous dire, tu sais quoi, tu commences par mettre tes tefillin avant de mettre le talit. Sinon, il faut essayer d'embrouiller l'histoire. On ne va pas trop arranger sur le principe. Mais c'est une grande règle. Sur le même principe aussi, on va ranger les tefillin dans la poche des tefillin. De manière à ce que, dès qu'on va l'ouvrir, qu'on va mettre la main, on va rencontrer le tefillin chaliyad. Parce qu'il ne faut pas sortir le tefillin chalroch avant le chaliyad. Pour quelle raison? Nouvelle règle. En ma'avirin al mitzvot. Tu ne passes pas outre une mitzvah. Si tu l'as pris dans la main, alors maintenant tu dois accomplir cette mitzvah en théorie. Or, le tefillin shel rosh, on le met que après le chaliad. Donc là, tu rentres en problème. D'accord, c'est le principe. Donc, première raison, tu dois faire une mitzvah. Le premier que tu rencontres sur ton chemin, tu le prends pour faire la mitzvah. Tu vas pas aller chercher une autre mitzvah. Ça, c'est la règle de En ma'avirin al mitzvot. Deuxième raison, il rapporte, cette fois-ci, le Tosfot Yom Tov, la Gemara, que la Torah a insisté que tu apportes de l'orge qui est encore toute fraîche, toute fraîche. Et plus tu vas l'amener de loin, plus après, le temps que tu vas la transporter, il va y avoir le vent qui va souffler sur cette orge et qui va commencer à le durcir un petit peu. Donc c'est plus assez carmel. On apprendra le mot carmel, on l'évoquera ensuite. Carmel dans la Torah, ça veut dire carmalé, comme un coussin rempli. Qu'il soit mou, on apprendra. Ensuite, l'obiker karov akarov l'Yerushalayim, mais vinoto mikol makom. Bien sûr, bien évidemment, on n'a pas été restrictif de dire que Yerushalayim est nulle part ailleurs. Si toutefois il n'y avait pas encore d'orge à Yerushalayim, tu dois l'amener de plus loin. Ben va bien sûr l'amener de plus loin, il n'y a pas de problème à posteriori. Maase sheba migagot tserifin ushte alechem mibikat en soker. Il s'est arrivé une fois dans l'histoire que l'on a apporté le minchat haomer, donc de l'orge, on l'a apporté en l'apportant de gagot tserifin, un lieu qui se trouve au gagot tserifin, qui était loin de Yerushalayim. C'est pas précisé plus où, quelle était la distance. En tout cas, le Barthénora nous rapporte au Managmara qu'il n'y avait pas de blé, pas d'orge à proximité. Il y a eu des ennemis qui sont venus, qui avaient brûlé tous les champs, donc ils ont dû partir le chercher de très loin. Et donc, ça c'est donc le massé. Donc, c'est arrivé une fois de l'histoire qu'on l'a apporté de Gagot Srifin, qui était très loin. Et aussi, il y a eu une autre histoire qui s'est passée, d'apporter les Shteh Alechem. La mitzvah des deux pains de Shavuot qui fera l'objet du Perek Yud Aleph, qu'on les a apportés depuis Bik'at En Socher, qui est aussi un endroit très loin d'Yerushalayim, pour le même principe qu'il y a eu des ennemis qui avaient tout
pillé et qui a abîmé les champs qui étaient à proximité de Jérusalem, donc ils ont été obligés de partir très loin. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Slachakol, tout cela.